Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, et nous revoici sur cette vue familière qui est notre Terre en 3D. Et donc aujourd'hui, nous allons continuer la V-City. Hop, allons à la V-City, synchronisons-nous à la V-City. Et comme j'avais dit la dernière fois, j'ai effectivement regardé et je pense que j'ai compris comment on faisait pour rajouter des lignes de bus. Je ne suis pas certain que ça fonctionne. Alors là, vous pouvez voir que j'ai beaucoup d'habitants et que j'ai pas un rond. Enfin, pas un rond. N'exagérons rien. Mais je n'ai pas tant que ça d'argent dans tout ça. Donc les options de visualisation, on va les virer. Alors la première chose que nous allons faire, c'est qu'on va regarder où en est le trafic. Trafic. Alors oui aussi, je ne sais pas ce que la vidéo va donner, mais je l'avais peut-être dit il y a déjà quelques temps, mais j'ai de gros problèmes pour la, pour la 3D avec Fraps. Et du coup, j'ai un peu abandonné Fraps. Alors des skinwalkers, j'en ai ici. Et oui, et ça lag un petit peu du coup avec mon nouveau... Et avec mon nouveau système d'enregistrement, je ne sais pas ce que ça va donner, mais on va bien voir. Alors, public services, il y en a plein. La santé. Bon, tout le monde est à peu près content de la santé, hein, sauf ceux qui n'ont pas d'accès à la route. L'éducation. Alors, l'éducation, par contre, c'est plus difficile. Il va falloir que je mette un petit peu d'éducation par ici. Alors, qui va... Eh bien, toi, tu vas sacrifier ta maison. Bulldozer... Hop, voilà, on va bulldozer ça, et donc on va aller chercher, c'est dans City Service, l'éducation, c'est ça. Éducation, petit machin d'éducation, ici. Voilà. Parfait. Donc alors, ça c'est bien. Alors il me faut more housing, parce qu'il doit... Ah bah c'est repassé en anglais, je suis désolé. Je viens de le remarquer, dis donc. Ah là là. Alors, ils ont des problèmes pour aménager. Bah, tout le monde a des problèmes pour aménager. C'est génial. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va étendre la ville. Alors, par contre, par où on va s'étendre? Parce que si on s'étend là, on va avoir des problèmes de circulation. Alors, qu'est-ce que j'ai comme... J'ai des problèmes sur mes hôtels. Oui, bah c'est parce qu'ils doivent pas être du tout dans la bonne zone en fait. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une route. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire comme grande route avec beaucoup de voitures par minute? 80 voitures. 60 voitures. Je peux pas faire la super autoroute. Il me faut 100 000 habitants pour la faire. Celle-ci, c'est 13 pour la maintenir. Celle-ci, c'est 8. Bon, on va construire celle-là. Que je ne peux pas construire ici, apparemment. Celle-ci, elle fait combien de voitures par minute, normalement? C'est une petite upgrade. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir... Est-ce que je peux toutes les sélectionner d'un coup? Non. Hop, on va fabriquer des sens uniques. Parce qu'en théorie, si je fais des sens uniques... Bah ça va libérer de la circulation. Hop, sens unique. Ah, je peux même la faire descendre. Voilà. Donc, ma route, celle-ci... Non, c'est dans l'autre sens que je la veux. Voilà. Hop.
Alors, est-ce que je me suis trompé de sens ou pas? Non. Donc voilà, ça, c'est pratique. Ça va me permettre d'améliorer un petit peu la circulation de ce côté-ci. Et donc, on va faire des maisons. Hop. Voilà. Et on va faire une ligne de bus, d'ailleurs. Si j'arrive à retrouver où c'est. C'est dans le transport, forcément. Alors, il me semble qu'il faut que je clique ici. On va mettre un terminus de bus. Est-ce que je peux le mettre ici, par exemple? Apparemment, non. Pourtant, ça serait super pratique de le mettre ici. Ou là, ou ici. Finalement, je vais être obligé de le mettre là et ça va être le bordel. Mais c'est pas grave. Donc, on va faire une petite ligne de bus avec un arrêt ici, un arrêt là, un arrêt par ici. Un arrêt ici. Un arrêt là. Un arrêt dans l'industrie. Un arrêt dans l'autre industrie. Un arrêt par ici. Et on boucle là. Je crois que c'est excessivement sous-optimal. Mais 88% d'utilisation, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Et donc ici. Ouh là là, je perds une fortune. Ici, on va repartir là. Et on va accélérer un peu le temps en espérant que les impôts me donnent de l'argent. Parce que là, disons que c'est un peu la crise dans ma ville. C'est même grave la crise. On n'a plus un rond. On est en galère totale de pognon. Alors là, vous voyez que quand même des habitants... J'en ai une méga collection là-dedans. Parce que ça, c'est... Hop, il faut que je zoome encore un petit peu. La ville est par là. Je vais essayer de la retrouver. Vous voyez que j'ai quand même des tours. Ça, c'est de la tour d'habitation. Hein. Là. Ça, c'est de la haute densité. Fouf. Allez, dézoome-moi un petit peu. Alors, qu'est-ce que je manque maintenant? Mais non, il n'y a pas de touriste, mais je peux pas faire de touriste. Alors, eux, ils ont des problèmes pour aménager. Eh bien, on va leur construire des trucs ici. Je ne peux pas encore les faire en très très haute densité. J'espère que ça va venir prochainement. Ah mais là, c'est pas pratique, parce que leur densité fait pas la même taille que la densité des autres. Ah mais eux, ils ont des plus grandes routes. Ils sont pas bêtes. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre rien du tout, on les laissera construire ça comme il faut. Ah oui, mais je sais que les hôtels vont pas bien, mais je ne sais pas pourquoi ils ne vont pas bien. There was a lack of skilled workers. Ok, bon, on va construire des skilled workers par ici. Je crois que dans pas très longtemps, je vais être obligé de faire un prêt, là. Hein? Parce que si je fais un petit... Bon, j'ai fait un prêt. C'est une catastrophe. Maintenant, ma ville est endettée. Bon, en même temps, si ça va aussi bien que... Comment ?
Hop, on va accélérer un petit peu. Si ça va aussi bien que ma... Comment que la série sur Theme Hospitals, normalement je ne devrais pas être endetté trop longtemps, mais... Voilà. Alors, la satisfaction de mes citoyens. Alors... Manage ce problème. Ok, bah pourquoi pas, j'ai fait 10 tokens. Pourquoi pas. Alors, l'éducation... Ah bah la sécurité par ici et par là, c'est une catastrophe, hein. Il va falloir qu'on fasse ça. Ah, bah j'ai dû passer les... Non, pourtant je n'ai pas passé les 100 000 habitants. Ah oui, d'accord, les loisirs, effectivement. Effectivement, nous avons un petit problème de loisirs par ici, donc nous allons loisirer. Décoration, non, je ne sais plus du tout, c'est... Voilà, c'est un commerce, le loisir. Alors, on va leur mettre... Un truc à loisir comme ça. Et un bidule à loisir comme ça. Apparemment, c'est pas ce qu'ils veulent. En même temps, j'aurais dû regarder. Est-ce qu'ils ont des trucs. Non, ils n'ont pas l'air d'avoir de d'effet. Non, je ne sais pas, c'est bizarre. Donc je perds encore de l'argent. Hein ? Je serais tenté de vous dire comme d'habitude. Donc on va construire d'autres maisons ici. J'en suis réduit à attirer des gens pour tenter de compenser mes dépenses par mes impôts. C'est pas très pratique. Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne manière de gouverner. Mais... C'est la seule qu'il me reste. Puis là, vous voyez que j'ai fait n'importe quoi avec mon avenue. Enfin, c'est une catastrophe. Alors, on en est où d'ici? Vers Omnicorp. Et on dit que c'était Manufacturing Goods qui était trop expensive. Si je fais ça... Que je fais ça... Je fais ça... Je fais ça... Ah, je suis en galère de tokens de partout. Ah oui, effectivement. Effectivement. Bon. C'est pas optimal. En plus, ils ont pas de travail. Qu'il va falloir faire du travail. Alors... Oui, mais ça c'est trop cher. C'est trop cher, donc si je fais de l'industrie du truc qui est trop cher, en théorie, ça devient moins cher. On est d'accord. Parce que si c'est trop cher et que je fais du truc qui est trop cher qui est moins cher, ça devient moins cher, et si c'est moins cher, ils sont plus contents. Et s'ils sont plus contents, c'est super. Lui il m'a dit quoi que le retail is good to own to sell. Ouais mais c'est pas un problème. Ah bah il me faut plus de électricité. Bon, on va construire de la électricité. Alors on va construire. Ah oui. Ouais mais ça c'est hyper cher. Bon c'est pas grave, on va construire de la électricité hyper cher. Ah oui, mais en même temps, ils utilisent du fuel pour faire l'électricité. Uh-huh.
Alors, qu'est-ce qui... Apparemment, ils sont contents. Hein. Alors là, ils attirent ces voyageurs. Ça, c'est un arrêt de bus ici. Et oui, mon bus fonctionne. Alors, j'ai pas assez d'industrie lourde. Et bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire l'industrie lourde. Faire l'industrie lourde de très haute densité. Vous allez voir ce que ça va envoyer comme rêve. Ça, c'est de l'industrie lourde. Ah bah, il faut des exécutives. Donc il va falloir que je fasse des maisons pour les executives. Ah bon, on va leur faire en haute densité, on va voir ce que ça donne, la haute densité des exécutifs. Ça donne des jolis immeubles. Et donc je pense que, si je ne me trompe pas, il n'y a pas de bus ici, donc... Ah bah voilà, nous avons 100 000 habitants. C'est super. Donc on va faire sûrement des trucs et des machins et des bidules et des choses. Mais ce qu'on va faire d'abord, c'est... Ah, c'est quoi ça? Ouais, des lignes de métro. Ouais, on verra ça après. Donc, alors, je vais cliquer sur mon terminus ici. Et on va lui faire une nouvelle ligne de bus qui va transporter des gens... d'ici. Là. Enfin. Ici. Là. Et là. Ah bon, bah c'était pas du tout là que je voulais mettre l'arrêt, mais c'est pas grave. Voilà. Et donc normalement, ceux-ci ne devraient plus avoir trop de mal à trouver leurs exécutives. Puisqu'ils ont un arrêt de bus presque juste à côté. J'ai l'impression qu'on est encore en galère de trafic ici. Ah non, on trafique bien, ça va. On va quand même regarder ici, trafic... Tout est vert, tout est vert. C'est pas mal. Alors qu'est-ce qu'ils ont ici? Ils ont besoin de skilled workers. Donc je suis en galère de skilled workers. Et bon, on va leur construire des maisons. Ah, je peux faire des élites. Alors il va aussi, on va ralentir pour pouvoir insérer de l'éducation, de la santé. De la santé, de l'éducation, de la sécurité et de la protection incendie à l'intérieur du truc ici. On va aussi leur mettre des petits loisirs, tiens. Commerce, loisirs. Hop. Des petits loisirs comme ceci et des petits loisirs comme cela. Et bah voilà, c'est pas mal. Alors là, vous voyez que je suis passé de ruiné à richissime. Donc qu'est-ce qu'ils font? On va mettre un peu de high-tech ici. Alors par contre, je ne peux pas mettre du high-tech là, parce que ma route a un bug. Donc on va mettre du high-tech comme ceci, et du high-tech comme cela. Voilà. Et je pense qu'il leur faut des élites. Donc. On va inviter quelques élites dans la V-City. Alors, donc il faut que je traite mes déchets maintenant. Alors, ça c'est quoi?
quelle est la différence entre les deux? Eh bien, on va construire ceci. On va aller construire ça... ici. Voilà. Ce building n'est pas connecté au City Hall, mais bien sûr que si qu'il est connecté au City Hall, ce building. Là, il y a la route ici qui le connecte. Bon. Donc il leur faut des loisirs aux élites. Hop. Il leur faut de l'éducation. On va leur mettre un peu de santé aussi. De la santé, de la éducation. Oh là là, je suis en train de perdre des fortunes. Oh là 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 là. On va mettre quelques bureaux ici. On va recruter quelques gens comme ceci. Voilà. Bon, ce serait bien que j'arrête de perdre de l'argent un moment aussi, hein. Parce que là, ça commence à... C'est bon, je commence à regagner de l'argent. Bon, où est-ce qu'il travaille, lui? Il travaille ici. Donc il faut que je leur fasse de l'industrie high-tech pour qu'ils travaillent. Oups. Je crois que j'ai... Je crois que je me suis laissé emporter par la taille de l'industrie high-tech. Alors ça, c'était quoi? C'est des executives que j'ai mis, c'est des executives. Bon, par contre, pourquoi lui ne fonctionne pas? Ah si, bah il fonctionne. Bon, bah vous voyez, j'étais à plus 300 000 il n'y a pas si longtemps que ça, maintenant je suis à 20 000. Et pourquoi ils ont des problèmes de loisirs? Il faut genre mettre des milliards de loisirs. C'est fou ça. Est-ce qu'on peut voir sa population? Alors on voit bien où est répartie la richesse. Donc public service, machin, éducation. C'est vrai qu'éducation ici galère, mais du coup si je construis un petit machin. D'accord. Si je ne leur construis pas d'école maternelle. J'avais oublié ce petit problème et je n'ai pas désactivé les notifications de Steam. Voilà, l'éducation, c'est vrai que si je ne leur fais que des trucs, eh bien, pour les étudiants déjà un peu âgés, forcément, ça marche moins bien. Donc ici, on va dire au revoir à cet immeuble-ci. Et on va mettre de l'éducation. Une jolie école maternelle ici. Voilà. Éducation, bah voilà. Ça y est, c'est mieux. Sécurité. Ok, donc ici. Ça. Alors ça, c'est un quartier qui craint. Ça, c'est un quartier qui craint. Ça, c'est un quartier qui craint. Donc, ici, on va aller voir... Bah, cet immeuble-là qui a l'air d'être celui qui craint le plus, on va lui dire au revoir.
Et on va y mettre de la polythia. Hop. Parfait. Alors là, vous allez voir que je l'ai fait aussi. Non, c'est bon. Eh bien, parfait. Eh bien, je pense qu'on va s'arrêter par ici pour aujourd'hui. Et qu'on va se retrouver très bientôt bien pour un nouvel épisode. Et maintenant, je pense que j'ai réussi à comprendre quel était mon problème au niveau de la 3D. Et donc, j'espère qu'il y aura moins de problèmes pour la 3D prochainement. Et je vais aussi essayer de repasser le jeu en français pour la prochaine fois. Ce sera plus facile. Et voilà. Donc, bien, bonne journée, bonne soirée, bon après-midi. Choisissez ce qui est... Mais pourquoi ils ne sont pas connectés à une route? Bon, c'est pas grave. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de la V-City. Au revoir. We'll be right back.